Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un petit effet sympathique avec Trapcode Form. Alors il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Plexus Horse qui vous apprend à recréer un cheval avec le plugin Plexus ou n'importe quelle autre mèche d'animal puisque le concept consiste à importer un mèche en OBJ et le récupérer avec le plugin. Donc cette vidéo est sortie il y a quelques jours. Ou plutôt hier, mais avec la joie de la programmation, on peut sortir les vidéos quand on veut. Et du coup, j'étais tombé sur une petite vidéo de Trapcode Form qui est assez sympa, qui a été fait par Greek FX. Et voilà, on voit ces petits animaux. Si je trouvais l'effet assez sympathique, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à le refaire puisque c'est exactement la même méthode que celle de Plexus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne MH Studs et puis regarder ce tutoriel pour apprendre à recréer l'effet qu'on va voir aujourd'hui avec Plexus. Et là, du coup, on va apprendre à le faire avec Trapcode Form. Alors pour faire ce tutoriel, il vous faut Cinema 4D et After Effects. Voilà, donc en attendant que les softwares s'ouvrent, je peux vous inviter à rejoindre le groupe Facebook Motion Designers Community, qui est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook. Voilà, vous pouvez partager vos rendus et poser vos questions. Vous avez tous les liens en description. Voilà, Cinema 4D est lancé et on va pouvoir commencer. Donc, c'est vraiment très très simple ce qu'on va faire dans Cinema 4D. Ça va simplement être de créer un mesh ou d'en importer. Donc, je vais pas me prendre la tête et je vais en choisir un qui est déjà fait. Donc je vais taper base dans la médiathèque et je vais aller charger les base mesh. Donc encore une fois, je vais reprendre le cheval puisqu'il est plutôt pas mal. Et on va regarder sa topologie. Donc je peux soit passer en caméra ombrage de gourou ou en mode point, ce qui me permettra de voir directement les nuages de points que je vais récupérer dans Trapcode Form. Donc si vous voulez une plus forte densité de points, il suffit simplement de subdiviser votre mèche. Puisque quand on va l'importer, il va y avoir en gros une particule de Trapcode Form à chaque point de notre mèche. Donc ensuite, c'est vraiment très simple ce qu'il faut faire. Il faut exporter le tout. Donc fichier, exporter, wavefront, OBJ. Donc voilà, j'exporte mon cheval. Donc je l'ai déjà exporté. Je peux le réexporter. Voilà pour vous. Prouver que c'est le même, et là dans l'export OBJ, j'ai besoin de toucher à rien, je clique juste sur OK. Maintenant on peut lancer After Effects et fermer Cinema 4D. Dans After Effects, je vais venir importer mon fichier OBJ, puisqu'on peut faire glisser un fichier OBJ. Voilà, et je le fais glisser dans le panneau projet. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous l'avez compris. Maintenant je me crée une nouvelle composition en faisant CTRL N. Je vais cliquer sur OK. Je vais faire un Alt-clic ici pour passer en 16 bits. Je fais un CTRL Y pour me créer un nouveau solide que je vais appeler Form pour Trapcode Form. CTRL barre d'espace pour ouvrir FX Console, donc plugin gratuit de Video Copilot. Si vous ne l'avez pas, vous avez vos effets et paramètres prédéfinis ici. Et je tape Form. Maintenant, je me retrouve avec Trapcode Form. Je vais faire glisser mon Horse ici, je vais le masquer même s'il ne s'affichera pas. Je retourne dans Form et dans Base Form, je vais passer en OBJ Model. Ici, dans OBJ Settings, je vais venir choisir mon Horse. Et là, on voit que je le récupère. Donc, si je me crée une nouvelle caméra, je vais pouvoir naviguer et on va pouvoir voir notre cheval. Donc là, il n'est pas dans le bon sens. Je vais lui faire faire une rotation à 180 degrés en Y pour qu'il soit face à la caméra. À n'importe quel moment, je peux réinitialiser la position de la caméra en tapant sur réinitialiser sur les paramètres de transformation. Donc là, voilà, on a notre cheval. Donc il va falloir faire quelques petites modifications de style. Donc vraiment, c'est très très rapide à faire. Je vais aller dans Particules. On peut choisir la couleur, donc moi je vais prendre un bleu assez clair que je vais laisser en mode addition pour avoir ces petits effets sympathiques. Donc de base c'est en addition, donc pas trop besoin d'y toucher. Et au niveau de la size, je vais peut-être la mettre à 0.5 ou 0.8 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Je peux aussi me passer en Glow Sphere, ce qui donne cet effet sympathique
ou venir moi-même ajouter un glow sur le trap code form, ce qui sera un petit peu plus intéressant. Donc pour me créer l'univers en particules, c'est vraiment très très simple, je vais juste dupliquer mon trap code form en faisant un CTRL D. Et là, ici, je vais aller dans Disperse and Twist et je vais augmenter le niveau de dispersion. Voilà, pour me créer cette espèce de champ de particules. Et là, je vais pouvoir jouer avec quelques autres paramètres. Donc size random, je vais pouvoir la mettre à 100 par exemple. Et puis size de base, je vais peut-être la mettre à 1. Voilà, pour avoir des particules plus grosses, des particules plus petites. Et je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On va pas mettre trop trop de particules, même si on pourrait en mettre plus en partant par exemple d'une box. Voilà. On va peut-être mettre en mettre plus et du coup mettre 20, 50. Voilà, maintenant c'est à nous de choisir le nombre de particules qu'on veut dans notre espèce d'univers. Et maintenant, je peux aussi leur réduire leur opacité ou mettre une opacité random, ce qui va permettre de quand même rester plus concentré sur notre animal, notre beau cheval en 3D, en particules 3D. Donc, pour ajouter un petit peu plus de vie à tout ça, on a bien vu qu'on peut ajouter de la lueur diffuse. Hop. Voilà, et si j'augmente un petit peu le rayon, ça me permet d'avoir ce petit effet glowy. Voilà, que je fais glisser sur le cheval, il est beau, il est content, il brille dans le noir. Les oiseaux chantent, c'est l'arrivée de l'été, tout le monde est content. Donc, autre chose que je vais faire, ça va être d'activer la profondeur de champ. Donc, dans Options Caméra, je vais activer la profondeur de champ, et de base, ça fait quelque chose de vraiment pas beau. Donc, je vais aller dans Vue personnalisée. Et là, je vais régler ma profondeur de champ, puisqu'on voit que j'ai une échelle vraiment assez petite sur mon cheval. Donc j'aurais pu grossir l'échelle de la scène globale, ou tout simplement vraiment réduire la distance de mise au point. Donc je vais la faire vraiment sur le cheval ici. Voilà, on peut vérifier dans la vue où se fait la mise au point, donc plutôt vers la tête. Et là, je peux repasser du coup en vue caméra active, et jouer avec ma profondeur. Donc là, on voit avant, après ce que ça fait. L'effet est assez sympa, hein, ça nous ajoute de la profondeur. Si on trouve les particules trop grosses devant, on peut toujours retourner les modifier pour qu'elles aient une taille un petit peu plus petite. Puisqu'ici, avec l'effet de bokeh, elles apparaissent vraiment plus grosses. Donc je peux faire ça. Et du coup, augmenter normalement un petit peu mon ouverture. On va tester à 40. Non, c'est beaucoup trop. Voilà, donc c'est un petit peu de tweaking pour essayer d'avoir le paramètre qui nous convient. On va rester à 17. Et puis, je vais augmenter quand même un petit peu la densité de mes particules. Je vais me mettre à 80, 50. Voilà, pour vraiment en avoir plus. Je trouve ça plus sympa. Et les autres petits éléments qu'on avait dans la vidéo, si je reviens, on voit qu'on a un optical flare. Et voilà, donc lui, il a mis des formes un petit peu plus différentes sur Trap Code Form. Il a mis une espèce de sol qu'on peut aussi mettre avec une grille. Ici, je vais pas le mettre, on va juste rester comme ça, puisque vous avez compris la méthode, hein, on aurait pu importer un sol 3D, et du coup, vous avez votre sol 3D sous le cheval. La dernière chose qu'on va faire, c'est ce qu'il a fait, donc c'est l'ajout d'une lampe pour pouvoir mettre un optical flare, donc lumière. Ok. Contrôle Y pour notre optical flare. Donc là, je mets mon optical flare dessus. Je vais dans Options, je m'arrange pour prendre une lentille, pardon, un flare assez sympa. Je me passe en mode écran. Je relie ça à ma lumière, donc ma lumière qui est je ne sais où. Où es-tu lumière? Je vais la centrer en faisant CTRL ALT HOME et CTRL HOME, et du coup je vais essayer de le placer à un endroit assez sympa comme ceci. Et je peux aussi rajouter un dégradé en fond puisque ça rendra toujours plus beau. Gamme des dégradés, on va essayer de prendre un bleu, voilà, comme ceci, que je peux foncer un petit peu.
Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Pareil, à n'importe quel moment, je peux changer les paramètres de flair pour essayer de prendre quelque chose qui soit un petit peu plus, matché sur l'image. Et dernière étape, la correction colorimétrique. Donc, Magic Bullet Looks. Et là, il y a pas mal de presets assez intéressants. Voilà, je vais en prendre un qui met en avant le tout. Je peux rajouter du coup une petite vignette. Voilà, qui est assez grosse. Je vais la diminuer. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à naviguer dans notre univers. Donc vraiment, vous pouvez importer n'importe quelle mèche 3D. Et ça va marcher. Donc voilà, je vous montre en qualité automatique. Voilà qu'on est bien en 3D. Donc on peut imaginer zoomer, naviguer, faire des petits mouvements de cam sympas. Et on a toujours les options d'animation. Donc dans tout ce qui va être disperse et twist. Donc on peut faire des petites animations assez sympas sur le cheval pour faire en sorte qu'il bouge un petit peu ou ajouter de la vie. Pareil sur les particules. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content d'avoir appris à refaire l'effet de cette vidéo qui est vraiment très belle. Comme on voit, lui, voilà, il y a un sol, il y a aussi des textures d'optical flare du coup que j'ai pas mis. C'est ce qui fait aussi une petite différence, j'ai l'impression. Donc optical flare setup, lens texture. Alors je l'ai reconnu, c'est je sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'elle est dans les paramètres. Voilà, une espèce de texture comme ceci qui permet d'ajouter un petit peu de vie à notre vidéo. Voilà, c'était la Messi. Voilà, et du coup, ça permet d'ajouter des petites particules en plus. Donc je vais augmenter l'illumination radius et un tout petit peu la brightness. Voilà, pour que ça se voit encore plus. Et donc là on est vraiment beaucoup plus proche du résultat qu'on a dans la vidéo. Voilà, puis n'hésitez pas à rajouter d'autres effets. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord. Donc le Discord, c'est un salon de chat audio et vocal. Voilà, avec pas mal de. Voilà, je vérifie un membre en direct. Avec pas mal de threads différents. Donc par rapport au groupe Facebook, c'est pas mal parce que c'est trié par catégorie. Donc vidéo, illustration, work in progress. Il y a même des jobs offer. Ask critique, voilà, pour demander des critiques sur vos travaux. Donc si vous avez envie de rejoindre le Discord, il y a un lien dans la description. Il suffit juste de cliquer sur le lien et vous êtes membre. Et une fois que vous êtes membre. Petite présentation, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!